On vient de me montrer un court-métrage qui s'appelle Wrong Connection, ce qui est un court-métrage malgache. Agalar nulantanti. Les top fidèles de Matouflou, Corée Farad. Today, the White House and State Department reaffirmed they will not and do not accept North Korea as a nuclear power world. Number one security priority. Our arch enemy is in Madagascar. Ça m'a plu. Ouais, j'ai trouvé ça. Bah, il y avait beaucoup d'humour quand même, j'ai trouvé. C'est rigolo par rapport à mon expérience. En fait, on voit que, ouais, à un moment, il dit discredit, c'est-à-dire c'est un truc qu'on, c'est hyper récurrent. On entend souvent le fait qu'il n'y ait pas de certaines choses comme du crédit ou de l'essence. Donc il y a un petit clin d'œil à la vie au quotidien à Madagascar. Et puis effectivement, donc ils sont dans une ambition de fabriquer une bombe et tout ça. Tout est un petit peu de bric et de broc en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Quoi. Et puis c'était assez bien réalisé. La photo était belle. C'était un court métrage de qualité. J'ai pensé qu'on allait me montrer un court métrage malgache, je me suis dit que ça risquait d'être un petit peu à l'arrache et ça n'a pas été le cas, donc j'ai été agréablement surpris. Bien joué, parce que t'as des petits effets spéciaux, bon tu le vois, hein, c'est pas du grand cinéma, mais c'est quand même bien fait, les explosions, tout ça, les tirs de balles, même les bruitages, tout ça, je trouvais ça assez... C'est bien fait. Je viens de découvrir Holy Film à l'instant et je trouve que c'est une belle plateforme, c'est très varié. C'est intéressant de voir que la culture se dynamise en fait au sein de nos coins de la planète et c'est prometteur. Doesn't make any sense.